Alors salut, voilà des tennis que j'ai achetés chez Gearbest pour à peu près 13 € la paire, frais de port inclus évidemment, comme d'habitude. J'étais un petit peu intrigué par leur forme de chaussette, on va dire. Et les voilà donc arrivés. Lorsqu'on les reçoit, les lacets sont comme ça. Après, vous les mettez plutôt comme ça fera un peu moins moche, sachant que les lacets sont plutôt là pour faire joli, puisque c'est plutôt cette forme-là, très élastique. Il y a du ruban élastique dedans, comme des chaussettes, qui fait que ça tient au pied. Alors, pour ce qui est de la finition de la chaussure, c'est pas trop mal, comme on voit. C'est tissé dans un tissu élastique plutôt épais. Par contre, malheureusement, c'est pas du tout étanche. Je me suis amusé à mettre une goutte d'eau dessus. Ça pénètre absolument complètement, y compris à la base. J'avais présenté il y a pas longtemps des choses ressemblantes de chez Xiaomi, où c'est respirant sur le dessus, donc pas étanche sur le dessus. Par contre, c'est plastifié à l'intérieur. Celle-ci, ce n'est pas le cas. J'en ai acheté deux paires de deux couleurs différentes. Et la couleur est plutôt jolie. Par contre, la pointure, là c'est du 44, et bien ça chausse un peu petit quand même. Bon, étant donné que c'est très souple, ça va se faire. Mais faut savoir que c'est quand même un peu petit en pointure. La qualité de fabrication est plutôt correcte, comme on voit. C'est deux plastiques, un relativement souple pour le blanc, un plus, bon, je dirais d'une même souplesse, mais plus agrippant pour la partie noire. Les deux parties sont parfaitement fusionnées. La partie usure est quand même assez faible, bon, faut pas s'attendre à les garder des années. Ce que je suis un petit peu déçu, c'est cette partie-là. Ça ressemble à du Nike Air ou tout ce qu'on veut, alors que en réalité, là, on voit bien, c'est purement décoratif. Il n'y a aucune réserve d'air pour faire un éventuel amorti. Ce qui fait l'amorti, c'est la semelle. On voit. Elle est très ajourée, assez épaisse. Mais pareil, j'ai des doutes qu'elle fasse des années. Encore une fois, c'était des chaussures à 13 €. On ne va pas non plus demander la lune. L'intérieur, comme on voit, bon, c'est juste correct. Il y a néanmoins un plastique un peu plus amortissant à l'intérieur. Voilà. Ma fille qui les utilise depuis quelque temps déjà a dit qu'elles sont très confortables. Et puis, ben c'est à peu près tout. Je vais vous montrer juste le poids. Ça, c'est un pesant à valise. Je commence. Le poids est de 700 grammes, 745 grammes pour les deux, ce qui en fait des chaussures plutôt lourdes. Pour ce qui est de la souplesse, on voit, c'est très correct. Et le plastique, encore une fois, me semble plutôt résistant. Voilà, allez, ciao!